Il ne semble y avoir aucun souci à ce niveau-là. On n'en parle d'ailleurs plus du tout et ça a été évacué très vite parce que ce n'est pas très très important non plus. Donc voilà. Pour ce qui est de la première question, c'est par rapport aux 80, moi je pense qu'il était important, je le répète, de programmer des matchs difficiles. On aurait pu jouer un match amical contre une. Enfin, petite équipe ici à Yaoundé, se mettre dans une situation confortable, ce n'est pas ce que j'ai souhaité. J'ai demandé à Alex Ribeiro, il a parfaitement tenu de venir des matchs difficiles. Et je pense que c'est comme ça qu'il fallait préparer la Coupe du Monde. Depuis Nakam, on a joué contre l'Italie, contre le Portugal, contre la Serbie. Je pense que ça nous a poussé à mettre le doigt sur certains manques, à corriger certaines choses. Et aujourd'hui, je sens l'équipe tout à fait prête, tout à fait capable d'être ambitieux. On s'était vu après la CAN, vous m'aviez trouvé un petit peu frileux. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, je le suis moins parce que je trouve qu'on a bien travaillé. Je trouve qu'on a aujourd'hui un ensemble de joueurs qui a les moyens de cette ambition. On a beaucoup circulé, on a beaucoup prospecté, on a trouvé des jeunes joueurs qui, à mon avis, complètent bien l'effectif. Qui était en présence à la CAN. Les joueurs seront les premiers prévenus. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Et bon, la préparation donne des indications. Mais moi, j'ai toujours pour habitude de transmettre les décisions aux intéressés d'abord. Ça, vous pouvez le comprendre. Savez, je suis dans le foot depuis longtemps et je pense que je suis capable d'évaluer les potentiels des groupes quand je sens pas. Un potentiel, je suis capable de le dire, vous l'aviez reproché à une certaine époque. Aujourd'hui, je vous dis, je sens bien les choses. Je sens bien parce que on a réussi je trouve, à réunir des talents. Alors, ça demande encore quelques petits réglages. Il faut utiliser la semaine pour ça. Mais je pense que certains passages, par exemple, du match en Serbie, même au Portugal, l'intégration parfaite de certains joueurs que j'ai réussi à faire revenir en sélection, comme Assou Ekotto, comme même que j'ai pris en sélection, comme Choupo-Moting, comme Eno, qui se sont imposés. Moi, je pense que ça peut donner un ensemble très très conquérant. Après, il faut qu'il soit bien encadré, évidemment, par le capitaine Samuel Eto'o, par les anciens, Rigaud et Jérémy. Mais tout ça me laisse à penser qu'on est prêt, qu'on va bagarrer dans de bonnes conditions. Je m'en contrefiche de votre doute, etc. Par contre, de titiller certains joueurs, oui, c'est pour ça que comme vous dites, vous appelez ça tâtonner, moi j'appelle ça travailler, tout simplement. Vous appelez des tâtonnements, des changements, Non, c'est mon métier de tester. Et très honnêtement, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas fait mon métier. Il faut placer les joueurs en concurrence. Aujourd'hui, vous dites, vous n'avez pas une idée de l'équipe qui va débuter. Très franchement, mis à part deux ou trois postes, vous n'avez pas une idée? Oh, alors vous n'êtes pas très habile. Mais je sais où je vais. Je sais où je vais. J'ai en tête l'équipe qui va débuter le mondial. Je vous dis, j'ai une petite hésitation, mais je vais vite avancer. J'ai travaillé en fonction de cette idée-là. J'ai pas travaillé pour gagner absolument les matchs amicaux. Je vais vous dire, si j'avais voulu gagner les matchs amicaux, j'aurais fait une autre préparation. J'aurais fait jouer des joueurs qui étaient un petit peu limites. Samedi dernier, par exemple, Eno. Eno, aujourd'hui, il s'est imposé comme un titulaire. Mais j'ai pas voulu le faire jouer. Je l'ai préservé parce qu'il avait une petite douleur sur un match officiel. Il aurait joué. C'est ce genre d'exemple. Si vous voulez gagner absolument, vous prenez des risques. Je n'ai pas voulu prendre ces risques. Et ceci dit, je trouve qu'on a fait un vrai bon match en Serbie, qui donne beaucoup d'espoir. Vous marquez 3 buts en Serbie, alors après 4, en 34, c'est beaucoup trop. Mais il n'empêche qu'on a joué, qu'on les a mis en difficulté, et avec un peu plus de rigueur défensive et avec un arbitre un peu plus neutre, on aurait fait au moins un match nul. Mais ce n'est pas fondamental. Moi, ce que je ressens, c'est que l'ambition est en train de naître au sein de ce groupe de joueurs. Ils sont parfaitement conscients de leurs possibilités. Il faut qu'ils s'approprient l'objectif. Il faut qu'ils soient conscients de l'attente, mais aussi de leur possibilité de bien faire. Moi, en tout cas, je les accompagne et j'y crois avec eux.
Je connais pas.